qui est pour l'instant l'attaquant le plus courant hein, depuis le début de cette saison côté stéphanois. On sent qu'il est en train peut-être de franchir un palier, lui qui a un très gros potentiel et qui dit pourquoi pas un jour les Bleus de l'équipe de France. Pour l'instant donc les stéphanois qui mènent 1-0 sur une deuxième occasion franche. Tout à l'heure à la suite d'un petit capoulet, suite à un coup franc, c'est Payensa qui s'est retrouvé au deuxième poteau, a tenté une reprise retournée et le ballon est sorti juste devant la ligne de but et sorti juste à côté du poteau droit d'Amada. Et donc toujours 1-0 après la sortie du poteau. Et le programme de cette sixième journée de la Ligue 1 demain 17h20 à Marseille à 20h04 matchs dans le multiplex Ligue 1 sur Europe 1, Rennes, Ajaccio, Reims, Guingamp, Evian, Montpellier, Sochaux-Lille et 4 matchs dimanche, Lorient, Bordeaux, Lyon face à Nantes, Nice, Valenciennes et le choc Paris Saint-Germain, Monaco dimanche soir 21h à suivre en direct sur Europe 1. Ce sera juste après le club présenté par Bernard Bon. 21h sur Europe 1.